crois que c'est très important dans la dialectique entre la modernité et l'authenticité, qu'on se rend compte que c'est une fausse dialectique. Et c'est, pour moi, c'est ce qui me frappe dans le travail de Sim Lihi, c'est que on voit bien que la modernité, c'est de l'authenticité qui affleure. C'est important, qui a marqué l'histoire de la peinture marocaine, est essentiel. C'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui, en accord avec la famille, pour rendre hommage à un artiste qui a marqué l'histoire de la peinture marocaine. Et puis, aujourd'hui, nous allons en plus de cela dévoiler une plaque dont une salle portera le nom. Et pour nous, c'est très, très, très important que les générations futures et qui viennent sachent qu'on nous rendons hommage à des artistes, que nous reconnaissons leur rapport à la lumière. Dans une période aussi compliquée et aussi difficile, il est nécessaire que l'art et la culture puissent rester vivants. D'homme moderne, sage, serein, jovial et modeste. Connu comme figure parmi les précurseurs des mouvements artistiques modernes au Maroc depuis le début des années 60, Mohamed Ben Lihi possédait des atouts. On est très heureux aujourd'hui d'assister à cet hommage qui est rendu à mon grand-père Larhmo, qui nous manque beaucoup. On est très fiers de lui, de son nom, de tout ce qu'il a accompli tout au long de sa vie. Et on est fiers des valeurs qu'il nous a léguées, inculquées. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être ici et de porter son nom. Et je suis très, très satisfaite de cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est sa tranquillité et son calme. Ça honore quand même un artiste, une grosse perte pour le Maroc. Et ça présente aussi une sorte d'hommage, même si Sidi Mohamed nous a quittés, il nous a laissé un patrimoine. Et c'était un propulseur de l'art qui a changé, bouleversé la scène internationale. C'était un penseur avant tout. Présenter mes sincères condoléances à la famille de notre retraité Mohamed Ben Lihi, à ses proches, à ses amis artistes et à ses admirateurs. La transcendance d'un fait pictural. C'est le titre d'un texte que je dédie à la mémoire du défunt. Paix à son âme. Mon propos et celui d'un artiste épris d'absolu. C'est Mohamed Ben Lihi pour moi, pour tous les artistes marocains. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. D'abord, il a permis à la peinture marocaine de s'ouvrir sur la modernité. Si aujourd'hui nous pouvons faire ce que nous faisons, c'est qu'il y a eu des artistes de l'envergure de ce Mohamed Ben Lihi qui ont tracé le chemin et ouvert la voie. Et c'est quelque chose de très important que l'histoire retiendra. Son nom restera gravé dans notre mémoire. L'histoire lui rendra hommage et c'est un bonheur de savoir que le Maroc a eu des artistes de cette envergure. اليوم 4 اشهر بعد رحيل الفنان محمد المليحي المؤسسه الوطنيه للمتاحف وعائله محمد متحف محمد السادس وعائله الفنان تقدم حفل تأبيني في حق هذا الراحل في حق احد اعمده الفن التشكيلي في المغرب احد رواد الحداثة التشكيلية في المغرب سي محمد المليحي تقديم مسار فنان تجاوز 70 سنة من العطاء أكثر من 60 سنة من العطاء بالضبط
انطلاقا من أواسط الخمسينيات من القرن الماضي إلى الآن. اليوم لابد أن نسلط الضوء على عمل لرجل من هاد الطينة. رجل اشتغل في صمت لمدة طويلة، ناضل بشكل كبير من أجل إخراج التشكيل الفني للوجود والرقي به المستوى الذي يليق به. تقديم أيضا عمل تشكيلي جمع أعمال الفنان التي توفر عليها المتحف، 9 أعمال مهمة يتوفر عليها المتحف تم تقديمها اليوم بهذه المناسبة، وأيضا إعطاء أو إطلاق اسم محمد المليحي على إحدى قاعات متحف محمد السادس، وهي واحدة من القاعات الجميلة التي كان يفضلها الفنان الراحل محمد المليحي.